vraiment présent dans ce temps-là. Moi, je loue le Seigneur. Hier, je suis allé souper avec deux frères puis une sœur. C'est incroyable les bons moments qu'on peut passer entre chrétiens. En tout cas, moi, c'est mon dada, c'est de toujours être le plus possible avec la famille. Amen. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde à La Bible parle, les visiteurs, les réguliers. Et puis, j'apprécierais si on pouvait maintenir les téléphones silencieux pour ne pas déranger le pasteur. Et puis, moi, je me prénomme Jacques, je suis ici pour faire de brèves annonces. J'aime tellement ça dire ça. J'aimerais quand même énoncer un verset qui est très, très, très connu. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est tellement nourrissant, les versets, ça nous donne un point d'ancrage. Alors, mercredi de cette semaine, c'est notre septième cours sur amour, identité, membership et engagement à 19h15. Puis ce cours, il nous prépare pour lors de notre Assemblée générale le 7 avril, pour qu'on puisse comprendre dans quelle direction la Bible parle du Saguenay se dirige. Le samedi 23 mars, le souper pour les femmes. Déjeuner, on ne soupe pas. C'est déjeuner pour les femmes et le samedi 6 avril, celui des hommes. Puis c'est vraiment intéressant, ces déjeuners-là. Encore une fois, on se retrouve en famille, puis ça nous nourrit, ça nous fait avancer davantage. Et ensuite, on va avoir le Forum des évangélistes le 22 et 23 mars. Puis pour terminer, à notre librairie, on a différents ouvrages pour compléter notre marche avec Dieu. Rencontrer Carole Galland, qui se fait toujours un plaisir de nous guider dans nos lectures. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Amen. Bon matin, tout le monde. Ce matin, avant de commencer la louange, j'aimerais ça vous lire 1 Jean 4, versets 9 à 10, qui dit « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. » Fait que si on est ici ce matin, ce n'est pas parce qu'on aime Dieu, mais c'est parce que Dieu nous a aimés et nous a donné la capacité de l'aimer. Puis à travers les chants ce matin, ce qu'on va célébrer, c'est l'amour de Dieu. Son amour, son sacrifice à la croix, son amour qui nous restaure, qui nous appelle tels que nous sommes et qui nous transforme. Fait que je vous invite à célébrer avec moi, on peut se louer. Fils et en fille, le roi de gloire.
tu sois mort pour moi, que tu aies pris ma thank you.
de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix. Yeah.
transformer en présence de ta majesté. Oh, cet amour. Pour notre dernier chant, on va chanter « L'amour de Dieu est un amour sans fin ». Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. On peut le chanter bien fort. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Et ses rois, quand trembleront.
corps si tendre est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes en premier. C'est toi qui nous permets de t'aimer, Seigneur, de te connaître. Tout ce qu'on a, Seigneur, ça vient de toi. Toutes nos capacités viennent de toi, Seigneur. On ne pourrait rien faire sans toi. Merci d'être venu nous chercher où ce qu'on était. On était sans valeur, Seigneur, puis tu nous as donné une valeur parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur. Amen. Problème de fil. Ah, voilà. Donc, je m'appelle Aaron, je suis un des pasteurs, comme Abigail l'a si bien dit. Et puis, je suis pasteur ici avec Maxime, puis Denis. On est trois responsables de l'enseignement, puis de la surveillance de cette église. C'est mon privilège aujourd'hui de parler. Avant que, par contre, je commence ma prédication, on va demander aux enfants de se lever debout, puis je vais prier pour vous. Puis tous ceux qui veulent bien vont pouvoir descendre avec les moniteurs de l'école du dimanche. Fait que levez-vous debout, puis je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, c'est tellement une bonne nouvelle de savoir que tu nous aimes. Et puis, lorsque tu étais parmi nous, tu as démontré ton amour même aux petits-enfants en leur disant « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Lorsque tu étais dans la maison de Pierre, tu as pris un petit enfant par sa main. Tu l'as amené au milieu de tes disciples, puis tu as dit que le royaume de Dieu lui ressemblait à ceux qui croyaient comme des petits-enfants. Puis tu l'as embrassé, puis tu l'as pris sur tes genoux. Seigneur Jésus, tu nous apprécies et tu nous aimes, et tu nous l'as démontré à plusieurs reprises. Garde ces enfants alors qu'ils écoutent ta parole avec les moniteurs qui vont les enseigner. Et garde-nous aussi, nous qui allons écouter la prédication de ta parole ici. Au nom de ton Fils Jésus, merci Père. Amen. Les enfants, vous pouvez descendre. Juste vous rappeler que si jamais vous avez des questions ou des interrogations par rapport à la prédication ou des enseignements qu'on fait à l'Église, tous les pasteurs, ça nous fait toujours un plaisir de répondre à ces genres de questions-là. On aime vraiment ça. C'est notre vocation, entre autres. Puis les dimanches soirs, à 18h30, on prend un temps ensemble ici à l'Assemblée pour ceux qui veulent bien se poser des questions sur justement les thématiques qu'on voit le dimanche matin. Comme ça, ça nous donne un temps d'interaction. Quand on est dans des petits groupes, mettons comme dans des maisons, il y a des cellules qu'on fait dans des maisons à l'occasion, durant les semaines, mais on a l'occasion de s'interrompre, de se parler. Quand il y a un gars qui parle en avant avec un micro, c'est pas d'adon de lever la main et dire « j'ai pas tout à fait compris ce point-là, pourrais-tu répéter? » Mais si vous voulez avoir cette opportunité-là, dimanche soir, 18h30, on prend environ une heure, puis après ça, des fois, ça dépasse, mais on jase ensemble puis on prend du bon temps. Fait que, juste une autre petite annonce. Ce matin, on a notre titre à l'écran, « Divorcé de Dieu ». On est dans Esdras, chapitre 9 et chapitre 10, c'est dans l'Ancien Testament. Et puis, c'est une histoire qui est
peut-être bizarre, c'est pas le bon mot, c'est peut-être plus une histoire qui est sombre ou un peu, pas inquiétante, mais comme troublante. Troublante, c'est le bon mot. C'est une histoire troublante. Et puis, dans les livres historiques comme Esdras et Néhémie, on nous conte l'histoire du peuple d'Israël, le peuple de Dieu qui s'est choisi pour démontrer sa personne, sa nature puis son amour. On vient de chanter à propos de l'amour de Dieu. Puis Dieu veut démontrer son amour à l'humanité. On nous conte l'histoire du peuple d'Israël, puis là, on est dans un genre de nouveau départ après le retour d'un exil en Babylone. C'est-à-dire que le peuple, il a été pris par des envahisseurs, puis il est emporté en genre d'esclavage. Il y avait aussi une question d'assimilation. Il y avait toute une histoire politique là-dedans qu'on a vue à travers les dernières semaines. Et ça, c'est un peu notre contexte. Mais j'aimerais aujourd'hui vous parler encore du contexte global de l'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible, parce qu'il y a plusieurs histoires là-dedans, il y a 66 livres qui regroupent plein d'auteurs différents. Il y en a un certain nombre dans le Nouveau Testament, un certain nombre dans l'Ancien Testament. Et puis tout ça, ça englobe des peuples, des personnages. Et puis des fois, c'est de dire, OK, où est-ce qu'on s'en va avec toute cette histoire-là? Y a-t-il une histoire qui est comme qui part du départ puis qui s'en va jusqu'à la fin? C'est-tu une histoire qui est unie ou est-ce que c'est plein de petits bouts d'histoire qui sont décollés? Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une grande histoire à travers ça. Et on pourrait la décrire en quatre grandes étapes. La première étape, c'est l'étape de la création. Ça ne prend vraiment pas un gros bout au début de la Bible, dans le livre des commencements, la Genèse, mais c'est important parce que ça nous donne l'idée. Je vais vous dire les quatre étapes en premier, puis après, on y regardera les quelques-unes. Premièrement, la création. Deuxièmement, la chute. Troisièmement, la rédemption ou le salut. Puis quatrièmement, la nouvelle création. Fait que création, chute, rédemption, nouvelle création, ça décrit un peu l'histoire de la Bible au complet. La création, c'est d'où les choses viennent. Comment l'histoire a commencé? D'où on vient? Ça introduit les personnages principaux, l'humanité et Dieu. Dieu qui est là depuis le commencement. Au commencement, Dieu. Et donc, ça explique d'où vient l'origine de toute chose, le cosmos, puis etc. Après ça, ça continue avec la chute. Dans Genèse chapitre 3, ça nous parle de comment ça a mal tourné ou pourquoi ça a mal tourné. Ça nous parle de Adam, les premiers humains, son choix de se rebeller contre Dieu en écoutant un adversaire qui est décrit dans l'histoire comme étant comme un serpent. Ça nous compte la désobéissance des humains et comment ça les a plongés dans le péché, la mort puis la condamnation, étant désunis d'avec Dieu et étant séparés d'avec Dieu. On pourrait même dire divorcés d'avec Dieu. La troisième étape, c'est la rédemption. C'est le bout où ça nous explique comment trouver l'espoir dans un monde qui est justement en chute libre. Dès le départ, Dieu va promettre une descendance aux premiers humains qui va vaincre le serpent et qui va renverser la malédiction. Si les humains méritent la mort pour leur péché, ce n'est pas la fin de l'histoire. En vérité, toute la Bible nous dévoile à travers ces histoires tranquillement. Ça nous révèle cette descendance promise qui va arriver. Et ça nous mène à Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vient. Et par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, le Père, Dieu le Père, crée une nouvelle humanité. Et nous, on l'appelle l'Église, qui jouit du pardon du péché, de nouveaux désirs, puis un accès au Père à travers le Saint-Esprit. En Christ, ce que le Dieu trinitaire avait prévu pour l'humanité dès l'origine, à ces créatures qui sont paralysées par la chute, ils commencent à être restaurés pour être en relation avec lui. Et puis ça nous amène à la quatrième partie de l'histoire, c'est la nouvelle création. Ça nous dit où s'en va l'histoire, le rétablissement des choses. Présentement, notre monde s'en va vers la fin, mais Dieu promet un nouveau début. Les prophètes de l'Ancien Testament voyaient par leurs songes puis leurs rêves le Messie de Dieu, le Sauveur qui allait venir. Et Jésus, par sa vie, à la croix, il amène une nouvelle création. Son peuple, les chrétiens, c'est comme une colonie dans ce monde qui s'en va en chute libre, mais une colonie qui promet un rétablissement complet de la création lorsqu'il reviendra. Donc, quand on est dans l'Ancien Testament, on est
dans une période entre la chute puis la rédemption. C'est dans la période un peu, on pourrait dire une période de diagnostic, où Dieu démontre la réalité de notre état et démontre l'échec des moyens humains. Comme si les humains ne sont pas convaincus que c'est réellement un problème. Mais il faut qu'ils épuisent toutes leurs ressources avant d'être prêts à accepter celle de Dieu. Et Dieu entre en relation avec eux par toutes sortes d'alliances. Il fait des alliances avec les peuples pour démontrer sa bonté, pour courber le mal, pour pointer vers la vraie solution, puis commence à préparer la nouvelle humanité. Puis on voit ça à travers des hommes comme Abraham, qui est le premier d'une famille que Dieu va faire une promesse de participer à son plan. Il choisit un peuple à qui se révèle, Israël. Israël, c'est le nom de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Et Israël, ça va devenir le nom du peuple, les descendants d'Abraham. Puis il va se révéler par Moïse, le prophète. Vous avez peut-être vu déjà les 10 commandements avec Charlton Heston, Moïse. Et que Moïse, c'est un prophète que Dieu envoie pour sauver Israël d'un esclavage de l'Empire égyptien. Puis Dieu emmène ce peuple-là dans une terre promise qui représente la nouvelle création, en quelque sorte. C'est comme un présage de ce qui s'en vient. Il leur dit, dans cet endroit-là, ça va être beau, ça va être merveilleux. Et donc, il fait une alliance avec eux à ce moment-là. Une alliance, c'est comme un peu comme un mariage. Je porte une bague qu'on appelle communément une alliance. Je suis marié et Dieu fait des vœux envers eux, des vœux de les aimer. Mais c'est une alliance qui a du donnant. Il va dire, moi je vais faire quelque chose si vous, vous faites quelque chose. Il dit, vous devez vous tourner vers moi et repentez-vous de vos voies destructrices. Puis il leur donne la loi, on pourrait dire les 10 commandements, puis toutes les 613 lois de l'Ancien Testament, pour démontrer comment leurs agissements puis leurs comportements, il y en a qui sont à éviter et qui sont le contraire de l'amour de Dieu. Il dit, si vous obéissez, il dit, je vais vous bénir. Je vais vous bénir dans le pays dans lequel vous allez rentrer, physiquement et spirituellement. Et si vous désobéissez, vous allez récolter les effets de votre rébellion. Puis pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu donne ce genre d'alliance, mais qui a comme des conditions? Bien, Dieu fait ça pour montrer l'incapacité de l'être humain de sauver soi-même. Parce que sinon, les êtres humains auraient fait, « Ah, bien, c'est correct, on est du bon monde. » Puis on n'a pas besoin de la solution. Mais Dieu dit, « OK, regardez, on va essayer ça. Moi, je vais vous bénir si vous êtes à la hauteur. Mais moi, je vous promets de vous aimer. Mais vous avez besoin de répondre. » Mais Dieu, il fait ça aussi pour montrer sa grâce d'un Dieu qui continue de faire grâce, même à des gens qui ne le méritent pas. Et savez-vous quoi? Dans l'histoire de l'Ancien Testament, presque à tout coup, Israël échoue à tous les niveaux. Et malgré les appels de Dieu et ses avertissements, ses appels à retourner à lui, bien, ils se tournent vers d'autres dieux, des dieux qui n'existent pas vraiment. Ils abusent les uns les autres, ils se détruisent, ils se méprisent. Ils méprisent Dieu puis ils méprisent leurs frères, les êtres humains. Et un des avertissements que Dieu va leur donner quand il fait cette alliance avec eux, il va dire, écoutez, lorsque vous allez arriver dans le pays promis, il y a un groupe de gens qui représentent tout ce qu'il y a de pire dans le monde. Il n'est pas en train de dire que c'est parce qu'ils font partie d'une ethnie particulière ou une race particulière. Il dit, ces gens-là, ils agissent d'une manière tellement mauvaise. Il va parler des Cananéens, qu'eux autres, ils vont faire des sacrifices de leurs enfants dans des feux sacrés, en espérant que les dieux de la récolte leur donnent des meilleures récoltes, en offrant leurs enfants dans un holocauste de feu. Ils vont se vautrer dans des rituels d'orgies sexuelles pour avoir la bénédiction de leurs faux dieux. Ils croient à toutes sortes de superstitions, puis s'agenouillent devant des idoles faites de main d'homme, tout en pensant obtenir la bénédiction de Dieu dans ces niaiseries-là, dans leur morale et leurs actes qui sont répréhensibles. Et donc, Dieu va dire, quand vous allez arriver dans le pays promis et vous voyez ces gens-là, ne mariez pas ces gens-là. Ne donnez pas vos enfants en mariage à ces gens-là. Ce n'est pas une question d'ethnie. Ce n'est pas une question de race. C'est une question d'agissement et de valeur. Mariez ces gens-là, ça serait comme abandonner la relation d'intimité avec Dieu. Ça serait abandonner l'alliance que j'ai faite avec vous. Vous seriez adultère à Dieu en vous prostituant avec des faux dieux. La conséquence, Dieu va dire, c'est que je vous divorcerai. Je vous renverrai en esclavage chez d'autres nations. D'où vous venez,
d'où vous étiez esclaves, pour que vous vous rappeliez de votre misère, puis que vous ayez de nouveaux goûts de me voir moi, puis que vous vous repentiez pour que vous me retrouviez. Et qu'est-ce qui arrive? Ben oui, les Israélites vont abandonner Dieu. Puis ils amènent des terribles nations puissantes contre le tout petit pays insignifiant d'Israël, la Babylonie, l'Assyrie, les Mèdes et les Perses, tous des grands empires de l'histoire qui viennent envahir le peuple, et le pays puis le peuple est ravagé puis envoyé loin en esclavage. Et le temple de Dieu, le symbole de sa présence au milieu d'eux, il est détruit. Et la ville sainte, Jérusalem, le symbole de sa gloire, est détruit, mis à terre. Mais Dieu y annonce par ses prophètes, ce n'est que pour un temps. Et que son amour est plus grand que la désobéissance de son peuple. Et tel que promis, 70 ans plus tard, il commence à ramener les rescapés de l'exil. Et c'est l'histoire qu'on a vue dans les derniers mois et dans le livre d'Esdras. C'est qu'on va voir dans le livre de Néhémie dans quelques semaines. Mais là, le livre d'Esdras finit en queue de poisson. Le nouveau départ qu'ils sont supposés avoir en revenant dans le pays quand Dieu les ramène, c'est un faux départ. Le livre finit en catastrophe. Dans le chapitre 7 et 8 de Esdras, on a vu comment Esdras, un prêtre fidèle, veut ramener la loi de Dieu. Il retourne en Israël avec plusieurs exilés, puis ils entreprennent un retour à Dieu puis à ses voies. Mais là, laissez-moi vous lire le chapitre 9, puis juste une petite partie du chapitre 10. Je vais vous lire d'une traite, puis après ça, on va avoir trois points qu'on va mettre à l'écran. Fait que Esdras, chapitre 9, verset 1 jusqu'à la fin, puis après ça, on va lire le chapitre 10, verset 1 à 4. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ce pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérisiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amoréens, tous des peuples que Dieu avait avertis à propos d'eux. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race ou la sainte descendance avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, c'est Esdras qui parle, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de ma barbe, tellement j'en étais désolé et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés. J'ai tombé à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, « Mon Dieu! » Je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs, les prophètes, en disant, « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point à vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci de leur, ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Ainsi, vous deviendrez forts
Vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé, à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, puni en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés, ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclatera-t-elle pas, encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Chapitre 10, verset 1. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jehiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Et là, l'action qu'ils vont prendre dans la suite du chapitre 10, on nous compte toute la procédure qu'ils ont faite pour divorcer les gens qui avaient marié. Puis là, il y a des comités qui examinent les mariages pour voir qui est correct ou pas correct. Puis là, à la fin du livre, on dénombre tout le nom des chefs, des prêtres, des serviteurs sacrés du temple qui s'appellent les Lévites, qui se sont divorcés de leurs enfants puis de leurs femmes. C'est vraiment une histoire terrible. Puis dur à comprendre. L'auteur, il nous dit même pas si c'est bon ou mauvais, finalement, la conclusion qu'il y a eu, ou si ça a juste comme empiré toute la situation. Puis comme je vous dis, ça finit comme vraiment en queue de poisson. Comment comprendre cette conclusion du livre d'Esdras? Et comment expliquer l'histoire? Bien, mon titre, c'est « Divorcer de Dieu ». Puis aujourd'hui, j'ai trois points que j'aimerais que vous vous rappelez à propos de cette prédication. Et les trois points sont... Ah, voilà! Premièrement, la nature destructive du péché. La nature destructive du péché, puis l'horreur que ça devrait nous inspirer. Deuxièmement, les moyens humains qui sont voués à l'échec. Et troisièmement, notre besoin d'un sauveur. Premièrement, la nature destructive du péché. Le mot qui revient le souvent dans l'Ancien Testament pour décrire un acte qui est dégoûtant et qui est terrible, c'est abomination. C'est un mot qu'on retrouve dans le texte aujourd'hui. Il parle d'une abomination. Et le mot abomination, c'est le terme le plus sévère qui est utilisé par Dieu pour désigner le péché. C'est un mot qui décrit ce qui inspire le dégoût et la crainte. Quelque chose qui est abominable. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, Dieu va dire dans la loi de Moïse et dans les prophètes que le divorce est une abomination. Le divorce, c'est une abomination. Il n'est pas en train de dire que les gens qui divorcent sont abominables. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire que divorcer, c'est un acte pire que le meurtre ou que le vol. Puis il faut même bien comprendre, Dieu permet le divorce dans l'Ancien Testament. Il y a même une législation, il va légiférer comment divorcer, dans quelles circonstances. Jésus, il a dit dans Matthieu, chapitre 19, entre autres, il dit, Dieu, il permet le divorce à cause de la dureté de nos cœurs. Nos relations sont brisées. On n'est pas à la hauteur des attentes les uns des autres. On peut avoir les uns vers les autres, même dans un mariage que les gens supposément s'aiment, des comportements malsains et qui sont ravageurs. Et donc,
Pourquoi donc rendre une situation déjà morose et pénible? Pourquoi la rendre pire en la qualifiant d'abomination? Pourquoi est-ce que Dieu va appeler le divorce une abomination? Parce que l'alliance d'intimité qui est la plus profonde, celle dans laquelle deux êtres humains devraient être liés par leur esprit, par leur pensée, et même dans laquelle ils sont unis et liés physiquement dans l'acte sexuel, devenant une seule chair, pénétrant l'un dans l'autre, pour ainsi dire, sans vouloir être vulgaire. Mais c'est le mariage. Le mariage a été donné à l'homme comme une image, par contre. L'apôtre Paul va parler d'un mystère qui est révélé à travers le mariage. Le mariage représente l'union que Dieu veut avoir avec l'humanité. Il veut être connu et se faire connaître. Il veut aimer et être aimé. Il veut avoir une intimité profonde, une communion qui produit, qui enfante, on pourrait dire, un jardin qui fleurit, une joie explosive. Mais l'homme a rejeté son Créateur. Même avant que les Israélites décident de divorcer leurs conjoints, les adorateurs des faux dieux, ils avaient divorcé Dieu. Ils ont commis l'adultère contre Dieu. Ils l'ont abandonné. Lui qui était la source de toute vie, la source de toute la joie, la source de tout bonheur, celui qui les a engendrés et qui les a courtisés, celui qui leur a tout donné. Ils l'ont rejeté par une attitude cavalière. Et c'est quoi la conséquence de rejeter la vie? Bien, c'est la mort. C'est la raison de la mort spirituelle puis la mort physique de l'homme. Et c'est pourquoi on voit Esdras dans un tel état. Il s'arrache les cheveux, il se jette à terre. C'est le deuil. Il est en train de faire le deuil de sa vie spirituelle et de l'unité qu'il va avoir avec Dieu. Il est dans la désolation parce que le péché, c'est un divorce avec Dieu. C'est de trouver son amour, sa joie dans ce qui est autre que Dieu. Des amants qui nous trompent, le pouvoir, le contrôle, la sécurité, toutes des choses qui nous promettent les richesses de ce monde, les mensonges de ce monde, mais ça produit la mort. Et ce n'est pas petite affaire, c'est la plus triste des histoires. Mon deuxième point, les moyens humains sont voués à l'échec. Il y en a qui ont besoin de toucher le fond du baril. C'est une expression qu'on utilise des fois, on va dire « Ah, il avait besoin de toucher le fond du baril pour pouvoir s'en sortir. » Moi, je ne crois pas que c'est vrai. Je ne pense pas que tu as besoin de te brûler la main sur le poêle pour savoir que c'est chaud. Mais, disons que c'est vrai. Disons qu'il y en a qu'il faut qu'ils touchent le fond du baril. Mais pourquoi Israël y retourne sans arrêt? On est incapable par nous-mêmes de retourner à Dieu. Quand Dieu donne des instructions super simples, hey, écoutez, Jésus, dans le Nouveau Testament, il va résumer les 10 commandements puis les 613 commandements de l'Ancien Testament par deux phrases. Super simple. Vraiment, vraiment simple. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Puis numéro 2, aime ton prochain comme toi-même. Il dit tout l'Ancien Testament, là, si tu résumes ça, là, deux phrases. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. C'est super simple. Mais on en est incapable. Les Israélites vont rajouter toutes sortes de bémols, puis des parenthèses pour expliquer comment faire ou comment pas faire. Puis arrivé au temps de Jésus, bien là, on connaît les pharisiens dans les histoires de Jésus. Vous avez sûrement vu des films de Jésus où les pharisiens, souvent, ils ont une barbichette, tu sais, puis la moustache, puis... tu sais, ils ont l'air quasiment méchants là, dans les films. Mais ces gens-là, ils voulaient bien faire. Ils voulaient faire ce commandement d'amour-là, mais finalement, ils ont tellement rajouté du superflu autour. C'est rendu insupportable. Puis pourquoi aujourd'hui, posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui on a tant de lois, tant de codes? Pourquoi il y a des limites de vitesse, des lois contre le vol, des lois contre le meurtre? Mais semble que ça devrait être évident que tu ne dois pas tuer ton voisin ou le voler. Tu sais, tu as besoin de te faire dire, tape pas sur l'autre, c'est pas une bonne idée. Pourquoi on a besoin de lois comme ça? Pourquoi que même avec nos meilleures intentions, on réussit quand même à blesser les autres? Que des fois, on se lève du mauvais bord du lit, ou d'autres fois, on pète une coche, pow! Que même quand on veut faire le bien, on arrive à décevoir ou bien on abandonne. Le divorce ici, là, dans notre histoire, il était-tu nécessaire? Est-ce que la solution à avoir adopté des comportements malsains en mariant des gens non-israélites
c'était de jeter le bébé avec l'eau du bain, ou en quelque sorte, jeter la femme et le bébé avec l'eau du bain. Tous les moyens humains brisent de quoi? Les moyens humains pécheurs, tous nos moyens, les meilleurs, pour réparer les choses, brisent quand même quelque chose. Ça laisse des cicatrices. Notre amour est imparfait. Le pardon est imparfait. Nos relations sont imparfaites. Parce que, ayant abandonné Dieu au centre des choses, les bonnes actions qui sont louables et souhaitables, on n'ira pas commencer à faire le mal parce qu'on dit « Ah, mais nos moyens sont imparfaits, on ne fera plus le bien. » Non, non, c'est des bonnes choses. Mais ils ont quand même toujours un arrière-goût de quelque chose de suerie, de sûr, de moisi. C'est bon au début, mais il y a comme un petit arrière-goût dans le fond de la gorge qui est comme... Le pourquoi de nos actions ne sont jamais entièrement purs. Quand c'est nous autres le chef de nous-mêmes, il y a toujours notre intérêt ou notre sécurité ou notre avantage, même dans nos amours envers les autres. Puis c'est quelque part en retrait. Et donc, si les bonnes actions sont louables et bien mieux que le contraire, ils ne peuvent pas régler le problème de fond. Ils ne peuvent pas nous ramener à Dieu puis nous permettre d'aimer parfaitement. Israël, il y avait tous les moyens entre leurs mains, mais leur désir les trompait. Comme même un homme qui est heureusement marié jette quand même un petit regard ou un coup d'œil sur la madame qui passe, qui ne devrait pas. Dans Matthieu, Jésus va dire, « Hey, l'adultère, vous dites, c'est pas bon, hein? Ouais. » Moi, je vous dis, si tu regardes quelqu'un avec un désir de convoitise, tu viens de commettre l'adultère avec elle dans ton cœur. Et donc, eux autres se proposent une alliance. « Ah, on va faire une nouvelle alliance avec Dieu. » Mais ils ont déjà eu plein d'alliances par le passé. Celle qui a été faite avec Abraham, celle qui a été faite avec Moïse, les quelques-unes qui ont été faites avec Moïse, avec David, sans compter toutes les autres. Et le problème, c'est que l'alliance dépend encore de eux. Qui m'amène à notre troisième point. Notre besoin d'un sauveur. Esdras, c'est un prototype d'un sauveur. Il va intervenir en faveur du peuple. Quand il voit le péché, il prie pour eux en s'identifiant à eux. Il dit, même si lui-même n'a pas marié une femme étrangère qui l'emmène dans des comportements malsains, il est là puis il se dit, ah, on est de même. Je nous vois puis on est de même. Puis il prie puis demande pitié à Dieu. Il intervient en faveur du peuple, comme Abraham avait prié pour Sodome et Gomorre, comme Moïse avait prié pour le peuple quand il se retournait devant Dieu. Mais il n'est pas exclu du problème. Il en est atteint, lui aussi. Même les prêtres et les serviteurs religieux qu'on appelle les Lévites, ils abandonnent Dieu puis ils s'en vont à leur tête. Et donc, Esdras va appeler à la repentance. Il va dire aux gens, il faut qu'on se repente. Il faut qu'on change de comportement. Et s'il appelle à retourner à la loi de Dieu, ce n'est pas parce que la loi de Dieu sauvait, mais c'est parce que c'était dans l'attente de la grâce de Dieu. Écoutez, dans l'Ancien Testament, tout le système de sacrifice, de tuer des animaux, ça n'a jamais rendu quelqu'un plus correct face à Dieu. Mais c'était dans l'espérance d'un sacrifice qui pouvait payer pour les nôtres un jour. Il espère que Dieu va faire grâce, encore une fois, que Dieu va permettre un retour à lui, parce que ça a toujours dépendu de Dieu. Remarquez à quelle heure que Esdras va prier. Ça dit dans le texte qu'il a prié à l'heure du sacrifice du soir, à l'heure de l'offrande du soir. C'est-à-dire celle de la 9e heure ou de 15 heures de l'après-midi pour nous autres, 3 heures de l'après-midi. Et ce sacrifice-là, c'est le sacrifice final de la journée qui représente le pardon de Dieu. Puis c'est aussi à l'heure dans laquelle Jésus-Christ est mort, au même temps que l'heure du sacrifice du soir. Jésus est mort comme sacrifice pour nos péchés à la croix. Remarquez aussi qu'Esdras, dans notre texte, il ne demande pas que les sanctions contre son peuple soient outrepassées. Il ne dit pas, « Ah, ben Dieu, fais comme si ce n'est pas arrivé, puis on va passer à côté, puis on pense à d'autres choses. » Non, il sait qu'il y a des conséquences et que quelqu'un doit prendre les conséquences. Puis il finit le soir en disant, « Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. » Dans sa prière, il ne dit pas, « Ah, Seigneur, fais ceci ou fais cela. » Il fait, « J'ai besoin d'un sauveur. » Et Dieu a décidé de prendre les conséquences sur lui-même. Et ça, c'est l'histoire de la bonne nouvelle.
Il prend la mort sur lui-même. Il l'absorbe dans son corps. Il s'identifie à nous en devenant un être humain. La deuxième personne de la Trinité devient, le Fils de Dieu devient un humain. Il s'identifie à l'humanité pour vivre les conséquences qu'on aurait dû vivre, pour intercéder en notre faveur. Jésus va prier sans arrêt dans le livre, dans l'Évangile de Luc. On voit que matin, soir, à tout bout de la journée, Jésus est en train de prier pour le peuple, pour prier pour eux, comme Esdras, intercéder en leur faveur. Et il s'identifie à nous. Il vit une vie qui est parfaite. Et pourquoi c'est important que Jésus soit sans péché? Que ce soit un être humain, mais qui n'a pas de péché dans sa vie. Tu sais, il n'aurait pas juste dit, ah, ben c'est moi Dieu, je prends les conséquences, puis ça finit là. Non, parce qu'il voulait aussi nous donner toutes les récompenses de ces alliances-là que Dieu avait données. De dire, hey, vous allez être libre. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Cette semaine, mon fils me parlait d'un devoir qu'il était supposé faire à deux, puis l'autre personne a décidé de le faire au complet. Tu es libre dans ce temps-là. Tu n'as plus rien à faire. Le devoir, il a été fait. Et donc, pour qu'on puisse en retirer tous les bénéfices. Et sa vie parfaite, ça veut dire qu'on a tous les bénéfices à le plus haut niveau. Et lui, le Fils unique de Dieu, enfant sacré, époux divin de l'Église, il subit le divorce de Dieu à la croix. Quand il est attaché à la croix, injustement, prenant une mort qui n'est pas la sienne, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il y a dans le livre de l'Apocalypse, à un moment donné, Jean, un des apôtres de Jésus, va avoir une vision d'un temps futur. C'est une image spirituelle où il voit un livre contenant des bénédictions incroyables, une vie éternelle, la vie dedans, puis le livre, il est scellé à clé, il y a des sceaux dessus. Et puis là, tout le monde est comme, hey, si on ouvre ça, c'est le cadeau, le trésor. Et là, il est avec son guide, qui est un ange, puis il dit, qui? Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut ouvrir le livre? Puis il dit, il n'y a personne. Il n'y a personne qui puisse ouvrir ça. C'est fini. C'est fermé. Puis là, il se met à pleurer. Et là, je fais, non, non, attends un peu. Il dit, l'agneau immolé, celui qui a pris notre charge à la croix, lui est digne d'ouvrir le livre. Et puis, il y a ce dévoilement, et là, c'est toute la gloire de Dieu qui resplendit dans l'histoire. Quand Christ a été à la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il est ressuscité à cause de sa justice et sa vie parfaite. La mort ne pouvait pas le retenir. Et maintenant, il est assis à la droite du Père. Il y intercède en tout temps pour ceux qui se repentent, ceux qui mettent leur confiance en son œuvre. Il donne son Saint-Esprit comme un gage de son alliance, comme un anneau qu'on met au doigt pour dire, tu es à moi. Comme un anneau de mariage qui nous rappelle que nous sommes à lui. Et c'est le message central pour aujourd'hui. Notre message central aujourd'hui, c'est que Christ fut divorcé de Dieu pour que nous puissions être unis à Dieu. Christ fut divorcé de Dieu pour que nous puissions être unis à Dieu. On commence avec l'histoire de divorcé de Dieu, puis c'est comme ça finit en queue de poisson. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas fini à ce chapitre-là. L'histoire a continué après la création et la chute. Est venue la rédemption, puis nous attend encore la nouvelle création. Fait que le résumé puis la conclusion. Premièrement, la nature destructive du péché, c'était notre premier point. Si aujourd'hui vous souffrez des conséquences de vos propres actions, ou peut-être vous subissez les conséquences des actions des autres, peut-être vous subissez les conséquences du péché dans nos corps qui sont maintenant mortels, puis qui sont attaqués, ravagés, par ce monde qui est en destruction. Ça, c'est la nature pécheresse qui est à l'œuvre. C'est l'horreur. Deuxièmement, les moyens humains sont voués à l'échec.
La solution ne se trouve pas en vous, malgré ce que dirait Facebook. Si tu crois en toi-même, ça n'ira pas mieux. On ne pourra jamais, par nos propres moyens, être à la hauteur des attentes de Dieu. Ni notre, la, écoutez, on n'est même pas à la hauteur de nos propres attentes. Laisse faire celle des autres et celle de Dieu. Quand je prépare des messages, quand je fais des choses, je regarde ça. J'aurais pu faire mieux. J'aurais voulu faire mieux. Cette semaine, je me regarde dans mes activités, dans le temps que j'ai utilisé, comment j'ai traité mes enfants, comment j'ai traité mon chien, comment j'ai traité ma femme. Je suis comme, à un moment donné, tu pètes une coche après ton chien parce que tu le trouves innocent. Puis là, ce matin, mes enfants chialaient le chien, puis je dis, ah non, il veut juste sortir dehors. C'est pas une chose mauvaise. Mais nous autres, on est comme, non! Pourquoi? Parce qu'on est méchant. Quelque chose qui est naturel chez l'autre, on est comme tanné de le voir. Nos actions, nos jugements, pour réparer le mal qu'on fait, en plus, ils ne pourront jamais éponger l'océan de péché qui est devant nous autres. Tu sais, tu pognes ton éponge, puis j'ai fait la cuisine hier, puis à un moment donné, je faisais bouillir des lentilles. Là, ça sur le poêle, puis là, ça bouillait pas, puis ça bouillait pas, puis ça prenait du temps, puis mon chaudron, il était tellement immense, ça n'avait pas rapport. Puis là, fait que là, je m'en vais jaser avec un ami dans la salle à manger, qui est juste à côté de la cuisine. Puis là, tout d'un coup, j'entends un bruit. C'était en train de déborder de partout, c'est sur le poêle, c'est à terre, c'est free for all. Je poigne ma débarbouillette, j'essaie d'éponger, je la torche, je sors une autre serviette, je la torche, je prends une autre serviette. Ça n'en finissait pas, puis c'est juste un petit dégât. Des fois, nos vies s'épandent en dégâts un peu partout, dans tous les sens, puis comment qu'on va éponger ça? Le monde a besoin d'être renouvelé. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas juste une petite pilule ou une thérapie ou une bonne manière de vivre. Ça n'empêchera pas, en passant, les pilules, puis les granules, puis tout le reste, la mort qui va venir pour chacun d'entre nous. Madame Annie, qui est souvent parmi nous, qui a 100 ans, elle est très au clair qu'elle ne vivra pas à tout jamais. Elle sent dans son corps, ceux qui entre vous et ceux d'entre nous qui sommes plus vieux que nous l'étions, on sent que notre corps se désagrège. Tranquillement, pas vite. Quand même bien que tu te bourrais de toutes les pilules du monde. Puis pareillement, pour nos bonnes actions, viendront pas faire en sorte qu'on va finalement devenir la bonne personne qu'on devrait être. Troisième point, notre besoin d'un sauveur. Jésus, il a vécu la vie parfaite selon toutes les alliances de Dieu. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Et pour ceux qui croient en lui, ça promet quoi? La relation d'amour avec Dieu par l'Esprit. Une relation d'intimité qui est inimaginable pour nos cerveaux qui sont comme cette grosseur-là. C'est la possibilité de vivre en nouveauté de vie par son Esprit. Que comme notre sœur nous avait dit au début dans les chants, il nous a aimés en premier et ça nous permet d'aimer à la suite. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais été aimé de sa vie, tu envoies des gens que tu rencontres, tu fais, lui, c'est clair que ses parents, ça n'allait pas bien. Il n'a pas reçu d'amour. Comment il ferait pour aimer l'autre? Puis là, tranquillement, pas vite, il reçoit de l'amour, puis son comportement se transforme. Un chien, je parle d'un chien parce que j'ai un chien chez nous, Esther. Mais mettons un chien qui est pas aimé, qui a été maltraité. Combien de temps que ça va te prendre avant que finalement il est prêt à ce que, quand tu l'approches, il n'est pas genre en train de te snapper? Parce qu'il a l'habitude de savoir que, OK, son ancien maître, il était le poing fermé. Mais là, tranquillement, pas vite, qu'il voit la main ouverte. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Par son esprit, il y a un renouvellement de l'intérieur vers l'extérieur. Où est-ce que là, on commence à pouvoir aimer, renouveler par son esprit? Et sa résurrection nous dit que la pire des conséquences que l'humanité a jamais connues dans n'importe quelle circonstance, il n'y a rien de pire que la mort. C'est la cessation de l'existence. Et Dieu nous parle d'une mort spirituelle et physique. La mort physique, en passant, ce n'est pas la pire des deux. La mort physique fait juste nous rappeler qu'il y en a une pire des deux. Parce qu'il dit, il vient aux hommes un temps qu'ils vont être jugés. Tu meurs et tu comparais devant Dieu. Et si tes conséquences ne sont pas déjà payées, la facture va être grosse. Par contre, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir une facture que tu dis, OK, je vais la payer, mais il me semble que c'est déjà payé cette affaire-là. Je parlais avec Christian et Hélène, mon frère, puis ma belle-sœur qui s'en allait en Afrique, puis là, ils réglaient tous leurs impôts avant de partir.
parce qu'ils voulaient être certains que c'était, tu sais, une fois que tu es rendu là-bas, là, tu ne peux plus rappeler l'agence du revenu. Ils vont dire, tu n'es pas au pays, tu ne peux pas rien faire. Fait que là, elle paye de quoi? Mais là elle dit, peut-être que je n'ai pas payé ça. Puis c'est ça qui arrive quand on est en Christ. Lorsqu'on a mis notre confiance en Jésus-Christ, oui, notre mort physique va arriver. Mais arrivé de l'autre bord, il va dire, hein, t'es mort, mais c'était déjà payé, cette facture-là. Ressuscite-moi ça, ce corps-là. Un jour, la résurrection arrivera pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a payé toutes les conséquences. Nos infidélités, il a été divorcé de Dieu pour que nous puissions être unis à Dieu. Pour les croyants, c'est l'assurance puis la paix. Pour ceux qui n'ont pas encore cru, je vous encourage. C'est une demande en mariage à ne pas refuser. Terminons en prière, puis après ça, je vous dis un petit mot de bénédiction. Seigneur Jésus, merci que tu n'as pas laissé l'histoire finir en queue de poisson. Merci, Seigneur Jésus, que même nos histoires, si d'une manière terrestre, peuvent sembler finir d'une manière qui est désagréable, par la maladie, par la mort, par les souffrances, des relations brisées qui n'ont pas été réparées à temps. Seigneur Jésus, grâce à toi, les choses vont être renouvelées. Merci, merci de ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir été le sauveur dont on avait besoin. Merci de renouveler nos vies pour que maintenant on puisse vivre justement dans cette nouvelle humanité qui n'est plus en train de chercher son propre intérêt, mais le tien premièrement. Seigneur, on n'aurait jamais été capable d'accomplir les lois et les alliances, mais tu l'as fait pour nous. C'est une bonne nouvelle. Accorde-nous la repentance lorsqu'on se détourne de toi. Garde-nous dans tes voies. Bénis-nous abondamment. Amen. La lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul va dire, puis c'est ma bénédiction pour vous aujourd'hui, que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu et que la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.